l'heure du rewind. C'est l'heure du rewind. C'est l'heure du rewind. L'heure du rewind de Twitch. C'est l'heure du rewind. Avec tout plein de streamers qui crient. Coucou tout le monde, et oui, vous ne rêvez pas, même l'été, c'est quand même l'heure de quelques petits rewinds de Twitch. Avec Max, on était quand même obligé de vous régaler au vu des bangers que nous ont préparé les streamers, et on commence avec l'annonce du 5 d'Amine et ce manque de respect au FC Clown. FC Clown, Terracid, Max Timbiagi, Potatoes, Théorus, Hugo Délire, Remeli, Flygo. Les gars, l'équipe est impressionnante, tellement elle est nulle. Je ne crois absolument pas en cette équipe, j'ai des frissons tellement je suis gêné là. Si c'était pas mon event, j'aurais pas cru que c'était pour un event de foot, je vous dis vraiment la réalité. Après, c'était difficile de garder son sérieux vu la préparation pré-match titanesque des joueurs alignés sur cette line-up. On va s'amuser, mais quand votre meilleur joueur c'est votre gardien, c'est pas un peu embêtant? Ouais, surtout qu'on se fait enfiler il y a 30 minutes un poulet basket avec du brownies. Je les ai regardés, ils étaient en train de regarder la Formule 1, ils étaient en train de dégommer. C'est réel, ils ont fumé des gros brownies, des gros poulets, des gros riz. Je me suis dit, mais c'est des malades, ils ont pas compris que ça c'est après le sport. Mais vous êtes dans quel état là, physiquement? C'était vachement bon. Donc déjà, à partir de là, sans jouer, vous avez déjà passé un bon moment? On a 3 blessés déjà et il y a Hugo qui arrête pas de péter. La vraie guerrière de la soirée, c'est Catsup qui assume totalement, qui ne se laisse pas faire et qui continue de se battre après le coup de physique de Noah. Vraiment, ça me rappelle le Manchester City Atlético Madrid de cette année-là. Ouf. Oh là 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 là. Bon, on va. Il y avait pas de pitié, elle était par terre, ça continue à s'envoyer des bouchons juste à côté. Soirée remportée par la KTV, en même temps, qu'est-ce qu'il ne remporte pas, j'ai envie de vous dire, avec en prime un but du CEO himself. Kamel, et le but de Kamel. Oh là, my CEO. Et voilà, 6-1, but de Kamel. Je sais pas si vous entendez, c'est pour ça que je me tais, mais... Après la soirée foot, c'est soirée ready or not pour Terracid en compagnie de Link, son acolyte de toujours. Et avec ce duo, ça ne pouvait être qu'explosif, pas vrai? Qui c'est qui a dit? Oh non, c'est toi! Oh non! Ça va? Est-ce que tu es blessé ou est-ce et que toi, le Kevlar a tout pris? Parce que c'était... Oui, moi aussi, ça va. Je t'ai mis derrière toi! Il est arrivé, il s'est fait sauter. Encore un nouveau drama sur Twitch avec Mintos pendant le cas culture en compagnie du gratin de la plateforme. Il nous montre enfin son vrai visage. Ouais. Oh non, mais du coup c'est horrible ce que j'ai mis. Attends, mais... Oh non, du coup c'est horrible ce que j'ai mis. Non, non, non. Attends, j'ai envie de voir Mintos la réponse. Non, non, non. J'ai mis un truc horrible. Non, c'est out of context. Je désamorce. Oh, mettez-moi 2 points. C'est l'heure du rewind. Ah non, c'est bon, y'a pas. Ah bah si, du coup. Avec l'annonce du The Event 2022, c'était l'occasion pour Rivenzy d'accomplir un de ses donation goals de l'année dernière en organisant un live histoire un peu spécial, une démonstration d'arts martiaux historiques européens. Par contre, les gars, on veut du bon gros spectacle, hein. Plus aucun honneur, montrez-nous un peu comment ça se règle au Moyen-Âge. Ah là, ça va y aller. Ah, là, y'a plus aucun honneur. Là, il raconte du pays, là, ils sont il y a plus d'amis, il y a plus de canards. Tu me donnes la thune. Vas-y, viens. Au but de la gueule. Ça. Oh, ça va vite rentrer en lutte sur la dague, normalement. Oh là 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 là. Et là. Oh là là, les rouelles, qui s'en vont. Les rouelles qui quittent le combat ici. Oh là là, la mise à terre. Oh là là, c'est beau, c'était beau. J'ai pas point avec tout ça. Merci, bravo. Ouais. Bravo. Si vous êtes plus du genre à combattre avec des mots, je vous propose de prendre une petite leçon avec Niski, qui sait toujours se sortir des situations compliquées avec ses arguments imparables. Donc, un truc que je me suis dit, je vais pas lui dire « Ouais, salut, je suis le fatigué qui travaille pas. » Mais je te vois pas du tout comme ça. Alors, dans ma tête, je me sens un peu trahi, en colère, dans toutes d'émotions. Regarde-toi, t'as pas travaillé au sprint. Et toi, ta gueule. Cœur qui monte et qui me dit mais... Retour sur Fall Guys pour nos streamers, histoire de préparer le FFS de Zerator. On passe chez Lutiluti, l'influenceur numéro 1 TikTok, pour commencer. Imperturbable malgré le vocal des enfers. Yeah, tu passes par en haut, c'est bien fait. Eh les gars, merci pour les conseils. La masterclass du training cette semaine, c'est bien évidemment Gaïa qui termine son run de manière peu conventionnelle. Après tout, ça va plus vite.
Ok, je suis disqualifié. Oh là là, la masterclass, je suis première. Ah, t'es trop fort. Mais j'ai fait un truc de ouf là. Sur Fall Guys, il y a toujours deux teams, ceux qui courent plus vite que les autres pour terminer premier, et les petits bandits comme Sixen qui préfèrent envoyer les adversaires en enfer. Chat! Oh, il a attrapé, il l'a tué! Le Five for Subs a donc été remporté pour la deuxième fois par Moment, le roi des bandits. Une victoire, oui, mais au prix d'une belle amitié. Oh, mais t'as vraiment fait ça, Moment, t'es horrible! Mais Manu, c'est un fils de pute! Bon, mais t'as vraiment fait ça! Il a poussé un poil! Ah non, mais c'est mérité, c'est mérité! Mais c'est tellement mérité, mais sale connard! Je te jure, je vais ruiner ta vie! La saison s'est donc terminée en beauté le week-end dernier avec la première édition du Popcorn Festival en direct de mon cul. 4500 festivaliers s'étaient donné rendez-vous sur place pour faire la fête et ça avait très très bien commencé dès le début de la soirée. Il n'y a que sur Twitch que vous verrez ça, une course en bateau sur la foule entre les deux fondateurs de la Team Pax. Xari n'a vraiment pas usurpé son pseudo du Fast, vu que même le public n'arrivait pas à suivre. Oh c'est Père, c'est Père qui est vraiment en train de se rejoindre, ça va pas tout à fait droit là, c'est pas mal du tout ce qui se passe là. C'est extrêmement bien joué de la part de la Team... Oh la Team PA qui oh est tellement rapide. Oh la PA, PA, PA. Oh PA l'a détruit. Oh là PA là, mais Xari est en train de passer un moment fou. Oh mais PA l'a détruit. Rayou, ça a aucun sens. Ça marche. C'est quoi ça? Et laissez-les pas tomber, hein. Heureusement, plus de peur que de mal. On en restera d'ailleurs là pour cette semaine du Rewind de Twitch, même si on ne pouvait pas se quitter sans en remettre une couche avec la fameuse blague du poisson rouge de Rivenzy. Allez, on me le dégage, s'il vous plaît. Rive. Waouh, c'est génial, ici. Rive, merci, Rive. Wow, c'est je pense qu'on va appeler la sécu, les gars, nous choper le riff, c'est bon, merci riff, merci. Les gars, faites-le partir. Opéa Domingo, pala pala pa. Opéa Domingo, pala.